Eh bien salut à toi YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour le quatrième épisode de notre let's play pour la quête Archon, je sais. Du coup l'acte 3. La dernière fois on était avec Tina, on essaie d'aller voir Tinari, on a vu Hypazia qui était devenue un peu folle. Et du coup avec son encens, on a eu une vision avec Scaramouche, avec une cinématique super sympa avec son passé. C'était plutôt pas mal, inattendu surtout aussi tout dans le jeu. Aujourd'hui ça va être une vidéo plus tranquille, on va dire ça comme ça, où est-ce que du coup on va seulement faire nos premiers pas dans la nouvelle région. Dans la nouvelle région de Sumeru? Non. Dans le désert de Sumeru. Voilà, on va faire nos premiers pas là-dedans. On va faire nos premiers pas dans le sable de Sumeru. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. En plus on va voir pas mal de bons personnages en vrai dedans dans cette vidéo. Du coup bah, j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ok, du coup, nous sommes arrivés à la caravane Riba. Du coup, on a pris le TP parce que nous, il était déjà activé. On a gagné du temps. Alors, comment ça va se passer ici? Ok. Exactement. J'ai hâte de voir Sino et tout. C'est vraiment... C'est époustouflant. Par contre, j'ai trop hâte, genre... Oh bah c'est bon, là, Ita, arrête de spawn comme ça aussi, t'abuses. Faut au moins une entrée en scène, je sais pas. Mec, il arrive là, il spawn. Avancez. Bah ok. Putain, vas-y, entrée en scène un peu, s'il te plaît, non? Sois stylé, non? C'était stylé normalement, non? Bah fais-le. S'il te plaît. Bon. Quoi, là, Itami, là. En fait, si t'arrives, bah suivez-moi. En même temps. Donc, on croit qu'en fait, en même temps, j'ai mis les titres à côté. Et on te parle. Alors. Ah, il suivait le time. Allez, le time, ok. Eh ouais, on a disparu, mon pote. Bah, c'est plus à la time qui a été suivi, mais. Ah non, c'est eux? Ah ouais, c'est nous quand on a été suivi? Bah, merci à toi. Regarde-lui à se cacher là-bas en mode. Intéressé par leur échange de faveurs. Plutôt sympa le... C'est vraiment le diluctycien. Je suis désolé mais c'est vraiment le... Bah du coup c'est pas le héros de la nuit, mais c'est le héros d'ici quoi. C'est ouais. Mais non, t'inquiète. Bah, ou un peu, ouais. Tôt ou tard, bah, ça. Largement. Avez-vous participé au projet des sages? Ça, le mot promeuve comme ça fait bizarre. Oh, et du coup, pourquoi? Le concentré de connaissances divines. En gros, c'est ce qu'on avait utilisé avec Dory, du coup ça m'étonne pas en vrai. Mais... Ah bah nous, il y a beaucoup de raisons. Hein. Et... Kimi wa nani kasura no jōhō wo kakushiteiru hazu da.
Je crois que vous avez. Est-ce qu'on lui parlerait? Je sais pas si je serais super chaud pour y parler. C'est parce que j'ai encore entendu quelqu'un prononcer les mots que le monde m'oublie. Ah ouais? Le moment d'en parler n'est pas encore venu. En vrai, c'est même pas pour ça. En vrai, c'est même pas pour ça, je pense. Ah, pas, je pense, voilà. Oui, on a quelque chose, mais où? Hein? 直接答えをもらうより、俺は自分で調査する方が好きだ。ところで、君と。Oui, c'est ça. Si on peut faire la route ensemble, moi ça me va. Nara, le village d'Aou. Ah bah c'est étonnant, je m'y attendais pas. あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源。 Le plus grand village du désert. Ok. T'as l'information aux ressources. D'accord, et bah c'est parti. Allons-y. Ok, donc peu de chemin avec Alaitam. Bon, du coup, ici pour l'instant, on connaît plutôt bien. Ici, on connaît bien. Des endroits comme ça. On est vêtu pour la quête monde. Oh, il est mignon, lui! Ah, je t'ai crevé! Il a rien lâché. Pas cool. Si, du coup, lui va nous emmener à la suite. J'ai l'impression que Ravilir de vas-y, on l'accroche au coin. Hein. J'ai mal. Ça se. Enfin, ça s'assouplit pas à la vue, mais un peu quand même, quoi. J'ai pas de mobile. Oh, ça va, là. Ça va, ça. Eh, le site qui fait des droits de gauche, ça commence à m'énerver. Quand t'es aussi. Oh, vas-y, dégage. Ces gens qui m'ont là, je les avais pas encore vus. Ok, on continue. Nickel. Ok, du coup on peut parler à la statue. Du coup on peut voir à quoi ressemble cette partie de la carte. Ok. En vrai, j'avoue que je trouvais que, genre en fait, je trouve que quand on voit pas la carte, ça paraît plus petit. Là, maintenant que ça se qu'on voit, ça paraît un peu plus grand parce qu'on voit tous les détails. C'est vrai que ça me paraît un peu plus grand. On est à Bassetek. Ok, du coup là il y a une petite ville, là il y a la ruine, l'œil de des sables. C'est là qu'on va avoir Alaitam contre Sino. Je sais pas comme ça. Hein. Après là-bas on verra. Bah là-bas ça va être. Attends, fais voir. Ah, on peut pas trop voir ici. Ok, la statue. Est-ce que j'ai une petite fée pour toi? Bah, il y a un des non-réanimes. Ok, on en a un. Nickel. Alors, on peut y parler du coup. Ah, Alaitam. Je vais juste faire ça avant quand même. Comme ça, c'est fait. Oh, merci. Oui. Ok, c'est parti. Oula, ah, c'est dur, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Ah, c'est nous va apparaître, non? Mais qu'est-ce que je vous disais? Pendant un moment, j'ai même cru que je m'étais trompé, mais bien sûr que non. Ah, j'aime bien le fait qu'on voit ces traces de pas dans le sable à ses pieds. J'aime bien ce genre de détails. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais...
Oh, tu vas te calmer, le petit Sidon. C'est pas parce que je vais t'invoquer là dans une ou deux heures que faut commencer à faire le malin avec le célèbre voyageur du royaume de Teyvat. Hein? Tout doux. Je suis le légendaire quand même, doucement toi. Ouais, après le Mahamatra, on sait pas ce que c'est, hein. Bah si, bah les Mahamatra, c'est les gens qui chassent les gens de l'académie qui se sont fait exiler ou quoi en fait. On va dire, ou qui font des recherches pas bien, ou je sais pas quoi, des trucs, un truc du genre. Voilà. Tous ceux qui commettent des crimes. Voilà, c'est ça. C'est des chasseurs de crimes académie. Mais bon. Putain, là, sur ce plan-là, on voit que la Play 4, c'est compliqué. Même tout à l'heure qu'on voyait le plan, genre qu'ils ont fait montrer la ville de loin. Je sais, mais peut-être sur Play 5 et PC, ça fait bien. Mais là, sur la Play 4, ça fait un peu compliqué, je trouve. Hein. Ah, c'est un peu dommage. Alors là, on voit l'état, mais il est pas très net. Hein. Pourtant, on n'est pas très loin. Bah après on sait pas qui t'es, tu veux qu'on défende qui, on est avec lui de base, oui. Ah bah merci. Du coup maintenant comme t'as parlé en deuxième, c'est nous qui, c'est cette fois on va te croire, c'est ça? Je ne fais pas confiance. En vrai c'est vrai qu'on lui fait pas tant confiance que ça non plus. Mais qu'est-ce que t'en sais que t'as la parole aussi mauvais, Paimon? Qu'est-ce que t'en sais? Ça va pas l'air aussi mauvais parce que t'as vu ça, bah non. Ouais, de quoi? Oh. Ah. Oui, va lui donner. Ok. Ah, c'est celle-là. Du coup, il est parti la récupérer. Vous nous avez menti. Ah bah génial, ça commence bien. Après ça, j'ai pas suivi s'il nous a menti là-dessus. Ça, honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Ouais, c'est pas bien, je sais. Mais... Parler avec autant de conviction. Bah oui, il est venu dans le désert tout seul, c'est un peu son territoire quand même. C'est comme ça, tu disais à Razor, waouh, t'es venu dans le territoire du loup sachant que t'as un loup tout seul. Bah non, bah oui, logique. Ah ouais, il aurait disparu par rapport au Matra. Genre c'est un Scaramouche des Matra. Attention. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que là, depuis le début, on a des cinématiques assez souvent, et c'est top. En vrai, c'est super top, ça. Il y en a bien plus qu'avant, et j'aime ça. Allez, la petite Deya qui fait son entrée en scène. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, Deya? Tu n'es pas censé être avec la petite princesse malade, là? Bah oui. Que fais-tu ici? Encore, ça serait Kandaï, je suis en mode, bah pourquoi pas, mais elle, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, en vrai, enfin quelqu'un de confiance, c'est vrai, on soit là-dessus. Bah, attends. Ah, j'avoue que c'est des gros persos de l'académie aussi, hein. Effectivement. Elle veut les combattre. Et elle a une chance de les battre.
Peut-être, mais... Il y a un délai. Aucun de deux ne peut se permettre d'être distrait par des gars. Ils attendent tous les deux le bon moment pour agir. Regardez, on dirait deux cow-boys là comme ça, prêts à tirer dessus. Le vent souffle. Oh non, qu'est-ce qu'il y a du coup? Genre, s'il va en faire, il va en profiter pour se barrer. Est-ce que Sino il est là? C'est bizarre, on voit pas Sino. En fait, j'essaie de le voir derrière Deya, mais j'ai pas l'air de le voir. Le vent est si fort, c'est une tempête de sable, je vais me faire emporter. Oh mince, c'est bizarre, on voit plus Sino. Ah, par contre, quand Day s'apparaît. Ok. Vas-y, c'est parti. Par contre, c'est bizarre, il n'y a plus Sino. Oh, on connaît bien Candace. Ah si, Sino il est là. Ok, my bad. Ma faute. Vas-y, go y aller. Oh, toi t'as... Oh, regardez les deux là. T'as mec, ils sont horribles. Ah vraiment, eh, le... Oh, le combat quoi. Ah, les deux là, ils sont horribles. Mais bon, ils ok. Du coup, il y a à l'intérieur. Regarde les deux là. Oh, ils sont infâmes. On dirait. Vas-y. Leur grosse tête là. Regarde, elle aussi estimé. T'as l'ambiance quoi. Elle a raison. J'avoue. Alors que ce n'est qu'une impression, Paimon. Ok, ça marche. Candice. Oh, regarde là, elle a un flow quand même. Elle a un flow, Candice. Ouais. Mais oui. Ça change des autres personnages. T'as regardé, hey, c'est rare de voir un concentré de héros. Bon, j'ai appelé ça un héros. Bah, de grands personnages du jeu, on va dire. Aussi rassemblés. Dans une mission normale et tout, hein. C'est rare. C'est beau ce qu'on voit, c'est beau. Ouais, s'il vous plaît, mettez ça de côté, bande de 1. Bah, c'est vrai que toi t'as l'air de défoncer Keiya et Keiya. Allez, Itam et Sino. Hein. Ah, oui, faut pas l'énerver non plus, je pense. Ouais, je pense. Okay. Oh, ça va, elle est sympa, Deya. Hein. Commence pas lui, hein. Bah, ok. Voilà, à eux deux de commencer à parler.別に俺には隠すべきことはない。言ってもいいだろ。まずいい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 
On ne peut pas encore lui faire confiance entièrement. Voilà, on va mettre là. Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi ? Ah, du coup, il l'a pris pour un méchant. Regardez les petits plans de rival là. Oh ! Ok, ça me. Oui, ça m'étonne pas. Les sages se méfient depuis longtemps de moi. Ouais, espèce de vilain. La connaissance divine une fois. Ah ouais, c'est pas mal. En vrai, ouais. Quand même. De toute façon, on peut pas lui dire oh, c'est pas parce que t'as fait non plus. Parce que c'est une grosse offre quand même. Bah ouais. Hein. Ouais. Ah ouais. Et juste pour ça, du coup, il travaille plus pour les gens. J'avoue, juste pour un simple voyageur comme nous, on va dire ça comme ça, c'est pas facile. J'avoue. だが、旅人と偶然出会ってもなお、俺に
C'est vrai que... C'est pas totalement faux. Oui, bon, après, ça peut être sauvé pour mieux nous avoir après, tu sais. Hein. C'est pas ça qui...君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのは、その存在が危険すぎると主観的に判断したからだ。はっきりとした研究結果が出るまで誰にも接触させない方がいい。何しろ、好奇心はこの国で一番危険なものだからな。 Ah là, bah dans ce pays tu m'étonnes pas, dans ce pays t'es curieux, hop là, dégage. Les sages ont-ils révélé leur plan? Franchement je pense pas, ça serait trop facile hein. Ok, ça va, il a réussi à bien jouer mon petit à l'état. Ok, c'est déjà bien pour l'instant. Au moins là, on est sur une base plus saine. Ouais, bah. Paul, qu'est-ce qu'elle va dire de toute façon? Elle est trop chiante. Bien joué à toi. Et donc, genre, elle avait rien à faire, elle voulait faire une petite balade, c'est ça? Voilà, bah voilà, bah oui, bah voilà. C'est vraiment exactement ce que j'ai dit, quoi. Ok. Ok, nickel. Bon, du coup, est-ce qu'on... Par où on va? Parce que là, ça commence à être un peu mou du... Hein? Oula, bizarre la fin. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le loup, derrière, là? Bah, c'est pas un loup, mais bon. Je vais m'occuper de ces bêtes. Hein. Ah, ah non, c'est les mièges. Hein. Mais où c'est son boulot? Tu peux pas nous entraîner un peu? Nickel. Le temps avance tout seul, c'est plutôt sympa. Tac, 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 tac. D'accord. Bon, inquiétant, est-ce que faut vraiment s'inquiéter pour Candace? Vraiment, moi j'y crois pas. Hein. Alors attends, faut aller là. On sort de la petite maison. On est sorti, on va faire le plus chemin ensemble. Hein. Comme c'est une nouvelle région. Oui, il y avait le TP. Bon, trop tard pour l'activer. Hein. Je l'ai passé. Par contre, toujours de nuit, on est ici. On peut pas voir ça de jour. En moins de genre deux jours, il y a une tempête de sable à chaque fois. Allez, on va battre les limiers. Ah, ils sont encore contre eux, genre ils sont durs. Bah, c'est bon, elle a l'air d'avoir fini. D'accord. En plus d'être forte pour se battre, bah dis donc, elle est endurante. Attends, il y en a trop, vas-y, dégage de là, non? Oh, on se bat avec elle ou elle nous fait une petite cinématique? La crinière ardente. Vas-y, moi je vais admirer. Allez, admirons. Ah non, bah on y va ensemble.
Dommage, on peut pas admirer. Voilà, c'est plus possible d'admirer maintenant. Bah, vas-y, viens. Voilà, du coup, il y aura une autre vague. Oui, il m'a touché. Ok. J'ai pas trop envie de mettre mon ult. Encore ? Allez, meurs, toi. Oh non, ok, c'est bon. Deux vagues, c'est suffisant. C'est cool. Allez, moi, sont censés disparaître, c'était les derniers. Ouais. Enfin, c'est d'apparaître plutôt. Je vais pas lire. Ça, c'est probablement ce qui décède de la tempête. On va être en sécurité pour le moment, ok. Mais non, t'inquiète pas, le vieux, on sait pas qui t'es, mais t'inquiète pas. Ça a l'air d'être le petit chef du village. Donc, Anpu. Voilà. Enchanté. Avant c'était pas le cas de vous. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'une tempête de sop soit plus fréquent? Bah ouais, c'est vraiment la vie de l'endroit quoi, l'Irminsule. T'as vu? Apazia a failli être exilé du coup. Cette attitude est fascinante. Il est chiant. On peut vous aider aussi. Ouais. En vrai, c'est le moyen de l'observer et peut-être le faire changer un peu en même temps. Voilà. On va papoter un peu avec notre Sinono à nous. Il est où? Tout là-bas. Bon bah voilà YouTube, du coup on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Du coup c'est cool, on est enfin arrivé dans le désert de Subiru. On a vu tous les personnages, on a eu des petites cinématiques sympas. En vrai pour l'instant,
C'est assez cool. Ça manque encore de quelque chose, mais c'est assez cool. Et puis voilà, du coup, la prochaine fois, on va faire. Bah là, avec Sino, on va un peu essayer d'aider un gamin à retrouver son papy. Voilà, je vais pas en dire plus, de toute façon, il n'y a pas beaucoup plus. Après, ça embrayerait sur autre chose. Je pense que vous entendez quand même, vous vous en doutez, c'est comme une quête d'argent, c'est pas une vieille quête monde où ce que vous voulez juste retrouver son papy et on va retrouver son papy. Il va y avoir d'autres choses. Du coup, bah voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like et ou l'abonnement, ça fera très plaisir. Et le dislike si vous n'avez pas aimé. J'étais en live sur Twitch quand j'ai fait cette vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre, n'hésitez pas, le lien est en description. Et si vous avez une question, une suggestion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire par un commentaire. C'est quelque chose que vous n'avez pas mis dans la vidéo, genre sur mon commentaire, la miniature ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire, même façon de faire ou quoi, n'hésitez pas à me le dire pour que je m'améliore pour la prochaine fois. Et si vous avez une question, que ce soit sous mes ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'essaierai de répondre comme je peux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Plus plus.